Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous a exaucé. Il faut le dire, le Seigneur m'a exaucé. Je suis déjà béni. Les cieux sont déjà ouverts sur moi. Et cette nuit, je verrai la main de Dieu dans ma vie. Êtes-vous là? Où êtes-vous là? Père, au nom de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom, nous te bénissons cette nuit. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu qui fait des merveilles, des prodiges et des miracles. Nous demandons cette nuit que tu ouvres les écluses des cieux et que tu confirmes la prière de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que tu supprimes toute écriture contre tout le monde cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que tu effaces toutes les ténèbres et toutes les choses mauvaises que les méchants ont plantées dans les vies cette nuit au nom de Jésus-Christ. Fais de cette nuit la nuit de puissance pour ton peuple. Une grande nuit pour ton peuple. Un tas de percées pour chaque individu au nom de Jésus-Christ. Exauce la prière de ton peuple. Fais beaucoup plus qu'il te demande cette nuit. Confirme ta puissance dans toute vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons en Ésaïe. On va à Ésaïe, chapitre 35. Verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs. Je tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, et ils verront la gloire de l'Éternel. Nous verrons la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Le Seigneur me dit de vous dire de prendre courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra, lui-même et vous sauvera, le salut gratuit, le plein salut dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans vos affaires, dans votre famille, dans toutes choses vous environnant. Le salut total de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous êtes là? Et la vision non claire sera ôtée. Le glaucome sera ôté. La cataracte sera totalement éliminée de vos yeux. Vous ne serez pas aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Que je m'arrête. Ici, ouais. Ouais, si vous voulez que les yeux aveugles soient ouverts, on doit amener les aveugles. Et si on veut que les boiteux marchent, on doit les amener. Et qu'on voit des miracles spectaculaires en notre sein. Si vous êtes là, il n'y a personne qui soit aveugle. Il n'y a personne qui soit paralysé. Et tous ceux qui sont bien portants, les gens qui sont dehors là, qui écoutent à travers l'internet ou les malades, les miracles se produiront partout. Mais vous direz ici qu'on ne voit pas de miracles. Dieu merci, moi je vois des miracles. Dieu merci, moi je vois des miracles.
à la prochaine en venant. Il faut venir avec ses malades. Et le Seigneur va miraculeusement, surnaturellement vous surprendre. Verset 6. Alors le boiteux se tourna comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements dans votre vie. La douleur et les gémissements s'enfuiront dans votre famille. La douleur et les gémissements s'enfuiront dans votre église locale. La douleur et les gémissements s'enfuiront dans notre église. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est votre nuit. Rien ne vous empêchera cette nuit. Il n'y a rien qui obstruera votre voie cette nuit. Le Seigneur nous donne un chemin, une voie expresse. Et la voie expresse à la puissance miraculeuse du Seigneur. Une voie expresse et un boulevard et une piste. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher. Vous allez y parvenir. Deuxième roi, chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi. Je te prie que quelqu'un m'aide à crier ce mot-là, une double portion. C'est ce que vous aurez cette nuit. Crier une double portion. Une double promotion. Une double prospérité. Une double puissance. Oui. Je suis le seul qui crie dans la maison. Je dis une double puissance. Et une double provision pour tout le monde. Toute famille recevra. Tout croyant recevra. Le Seigneur vous surprendra cette nuit. Miraculeusement, il vous surprendra. Surnaturellement, il vous surprendra. Joyeusement, le Seigneur vous surprendra. Gaiement, il vous surprendra. Ce que vous n'avez jamais obtenu, vous l'aurez. Et c'est dit, je te prie, une double portion de ton esprit. On va à Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14. Nous voyons le verset 12 qui nous dit clairement ici, dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Y a-t-il un croyant ici cette nuit? Je dis, y a-t-il un croyant ici cette nuit? Vous l'aurez, vous l'obtiendrez, vous le posséderez. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Pourquoi pas vous cette nuit? Je dis, les œuvres de Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Cela doit se produire dans votre vie.
On ne peut pas lire un verset de l'écriture et fermer les yeux sur cela pour dire que ça c'est pour eux. Ceci c'est pour toi cette nuit. Durant votre vie, ceci doit se passer au travers de vous. Et celui qui croit en moi fera, ceux qui croient en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Est-ce que cela va se passer? Est-ce que cela va se produire? Je vous ai dit que vous devez amener les aveugles. Même si vous ne les avez pas amenés et que vous vous rappelez un aveugle à la maison, en priant et que vous mentionnez leur nom et que nous prions ici à la maison, nous allons envoyer la parole et les yeux aveugles s'ouvriront à la maison là-bas. Je dis, vous devez amener les paralysés, mais si vous ne les avez pas amenés, même ceux qui sont à l'hôpital, dès que tu dis que je lève ma main pour celui-là et que nous prions ensemble et qu'on mentionne le nom de la personne, comme on prie ici, un miracle va frapper la personne à l'hôpital. Et c'est dit, et il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Cette promesse ne peut jamais échouer. Cette déclaration ne peut jamais tomber sur terre. Cela doit s'accomplir dans votre vie. Cela doit s'accomplir dans votre famille. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom cette nuit, si vous demandez quelque chose en mon nom, là où vous êtes là présentement, cette nuit, dans ce culte, ici, dans cette maison de Dieu, partout où vous entendez la parole de Dieu, si vous demandez quelque chose en mon nom, tel que je suis, je le ferai. Va-t-il faillir? Serez-vous déçu? Il n'y a pas de déception dans votre vie encore. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voici ces trois passages que je vous ai lus. De Ésaïe 35, de 2 Rois chapitre 2 verset 9 et de Jean chapitre 14 verset 12 à 14. Cette nuit, je vous parle du thème. La voix divine à la double portion du croyant. La voix divine à la double portion du croyant. La double portion sur ma vie cette nuit. Je dis la double portion sur ma vie cette nuit. Une double joie, un double bonheur, un double miracle, une double guérison, une double délivrance, une double domination, une double puissance, une double promotion, une double provision et un double héritage. Cela viendra sur vous. Cela descendra sur vous. Vous allez donner un témoignage. Ma soeur, je te dis que tu vas donner ton témoignage. Mon frère, tu as déjà un témoignage cette nuit. Une double pour vous. La voix divine à la double portion du croyant. Nous allons voir trois points. Premier point. La commission avec les promesses dynamiques. Il a donné une promesse. Et la condition et les promesses ont la commission, elle a donné une commission qui a des promesses, pas des promesses dormantes, mais des promesses dynamiques. La commission qu'il a donnée et qu'il nous a transférée, cette commission est avec des promesses dynamiques. Et c'est cela est dans votre vie. Quelque chose sera activé dans votre vie cette nuit. Il y aura l'enthousiasme en vous cette nuit. Il y aura la joie en vous cette nuit. Il y aura la dynamite en vous cette nuit. Il y aura l'avancement dans votre vie cette nuit. Toutes les choses qui traînassent, qui ralentissent, les choses qui dorment, les choses qui sont froides, les choses qui sont tièdes cette nuit, le feu de Dieu descendra sur toutes ces choses et tout ce qui est foi, la ferveur rentrera en vous au nom de Jésus-Christ. La commission avec des promesses dynamiques. Deuxième point, la consécration pour une double portion. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et la double portion est proche d'eux. La double portion est si proche. La double
portion, c'est comme qu'ils étendent la main et vont la saisir. Mais ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui se tienne entre eux et la double portion. Alors, cette mur de séparation entre vous et la double portion s'éclaira cette nuit. Le Seigneur va tout faire, tout possible. Il fera tout possible. Si vous allez coopérer avec Dieu cette nuit, une double portion est déjà arrivée pour vous. Votre vie ne sera plus aussi froide, insipide, timide comme elle était. Il y a un enthousiasme déjà au ciel. Que cette nuit, il y a une grande joie à ton endroit et à l'endroit de ta famille. Parce que la nuit de double portion est maintenant arrivée pour vous. Et c'est pour vous. C'est pour moi. Quel que soit ce que vous avez obtenu, cette nuit c'est le double. Quel que soit ce que vous avez expérimenté, vous aurez le double cette nuit. Mais il y a un engagement, il y a un dévouement, il y a une soumission totale, il y a un abandon au Seigneur, il y a une consécration pour une double portion. Troisième point, la connexion cette nuit. Vous êtes connecté. La connexion avec la puissance divine. La connexion avec la puissance divine. Je viens au premier point. Quel est votre premier point là-bas? La commission avec des promesses dynamiques. Nous allons à 1er roi 19. 1er roi 19. 1er roi 19. 1er roi 19. Verset 15. Ici, le Dieu Tout-Puissant parle à Élie. Mais Élie était un homme découragé, il était un ministre totalement découragé et il voudrait tout abandonner, jeter la faucille. Au fait, il disait au Seigneur, c'est l'heure de mourir. Et le Seigneur n'a pas aucun plan de mort pour Élie. Il dit non, il dit je vais mourir, je vais mourir. Et toutes ces choses négatives que vous avez dites sur vous-même, ce qui n'était pas le plan de Dieu, ces choses ne vont pas se produire. C'est un simple découragement, c'est un désespoir, c'est comme qu'est-ce que je fais sur la terre encore. Vous avez quelque chose à faire sur la terre et vous allez le faire, tout le monde le verra au nom de Jésus-Christ. Et en 1er roi 19, verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras quoi? Qu'est-ce qui est là-bas? Et tu oindras quel nom là-bas? Tu oindras, si c'est dans votre Bible comme la mienne, dit cela. Et tu oindras qui? Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Merola, pour prophète à ta place. Attendez. Élisée ne savait pas qu'il y avait une grande position qui l'attendait. Élisée ne savait pas qu'il y avait quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Et un ministère à l'échelle nationale que Dieu avait pour Élisée. Élisée n'était qu'un cultivateur et un éleveur qui prenait soin de ses brebis attelées pour cultiver le champ. Et Dieu a parlé à arriver son nom à Élie. Dieu connaît votre nom et Dieu connaît le plan du diable contre ta vie. Mais tu ne vas pas rester à ce niveau. Tu ne vas pas demeurer au niveau où tu es maintenant. Oui, il y aura une élévation cette nuit. Il y aura une promotion cette nuit. Il y aura une marche en avant cette nuit. Il y aura une énergie, une puissance. Oui. Un développement spirituel que tu n'as jamais expérimenté. Cela viendra sur toi cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et si voici la commission pour Élie de choisir Élisée et qu'il prenne sa place. Il va rester dans ta chambre et va faire les miracles que tu as fait. Il va faire plus que comme tu as servi cette génération. Élie et Élisée va servir sa génération avec succès. Et Dieu merci, voici votre temps. Vous allez servir votre génération et vous allez servir avec succès au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie
chapitre 1, Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comprenez, la connaissance de Dieu n'est pas limitée. Avant que vous ne soyez né, il vous connaissait. Que vous soyez né dans ce pays, il vous a connu déjà. Que même que vous ne le connaissiez pas, vous errez par-ci par-là et vous cherchez. Et maintenant, il vous a amené dans le royaume. Et maintenant, les affaires vont commencer. L'activité va maintenant reprendre. Et la nomination de Dieu dans votre vie maintenant sera activée. Voilà la personne dont je parle. Vous devez réussir. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Voilà ceci avant. Et avant et que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et je t'ai enregistré, je t'avais consacré, je t'avais écrit, je t'avais établi prophète des nations. C'est comme Jérémie ne savait rien de cela. Et puis je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Toutes ces excuses dans le verset 6, je ne peux pas, mais tu peux. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis malade, mais tu es bien portant. Je ne connais rien, mais tu as la connaissance de Dieu. Je me vois très petit, mais tu as un grand Dieu qui vit en toi. Il n'y a personne qui m'écoute, mais personne ne va t'écouter. Et mais je n'ai rien fait de pareil, mais tu vas le faire. Mais il faut toute cette profession négative là, il faut mettre cela de côté, ce que vous dites de vous-même. Mettez ça dans le verset 6 là et enterrez-les là-bas. Verset 7, avançons là-bas. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Faut plus le répéter. Les choses que tu disais, je ne peux pas, je ne peux jamais le faire, moi je n'ai pas. Ah, je suis un vaurien, j'ai essayé auparavant, chaque fois j'échoue. Ça c'est le passé. Voici un nouveau jour. Je dis, voici un nouveau jour. Et il s'est dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Ne les crains point. Certains vont ressembler à Nebuchadnezzar. Ne les crains pas. Certains vont se tenir très terrible comme Pharaon. Ne les crains pas. Certains vont se présenter comme Sankerib. Ils vont te menacer. Je vais te faire ceci. Je vais te faire cela. C'est un mensonge. C'est un fief mensonge du diable. Personne ne peut toucher votre vie encore. Voilà la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder leur visage. Regardez les promesses de Dieu. Il ne faut pas regarder leur visage. Regardez l'appel de Dieu sur votre vie. Il ne faut pas regarder leur visage. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Ils ne vont pas vous abattre. C'est vous qui allez abattre le royaume du ténèbre. Quelque chose que vous avez vu dans le rêve, ce que vous avez entendu au cours de la journée, ne peut pas vous abattre. Ne vous abattra pas. Vous avez Christ demeurant en vous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre heure a maintenant sonné. Vous allez arracher. Vous allez abattre. Pour que tu ruines, vous allez ruiner, détruire toutes les œuvres du diable qui se tiennent devant vous au nom de Jésus-Christ. Et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel, verset 11, me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu a bien vu. Avez-vous vu quelque chose cette nuit? Avez-vous vu une promesse cette nuit? Avez-vous senti une puissance cette nuit?
Est-ce que vous savez que la prophétie qui viendra sur vous cette nuit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu le fera pour vous. Dieu le fera au-dedans de vous. Et Dieu le fera au travers de vous. Marc, chapitre 16, verset 15. Marc, chapitre 16, verset 15. La commission avec des promesses dynamiques. La promesse qu'il vous a donnée. Tout comme il a commissionné Élie, Élisée, Jérémie, Ézéchiel et les autres. Et toutes ces commissions sont soutenues par des promesses dynamiques. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis croyant. Moi, je suis croyant. Je crois en Dieu, je suis croyant. Je crois en Christ, je suis croyant. Je crois à la puissance du Saint-Esprit, je suis croyant. Je crois à toute la Bible, de page à page, je suis croyant. Je crois aux promesses de Dieu, je suis croyant. Je crois à la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ, je suis croyant. Je crois que ces promesses sont à moi. Les prophéties sont à moi. Les promesses sont à moi. Je le dis pour moi-même. La grâce est pour moi. La miséricorde est pour moi. L'onction est pour moi. Et tout ce qu'il a dit ici, parce qu'il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces choses sont à moi. Ces choses sont à moi. Et ces choses se réaliseront dans votre vie. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Le poison ne vous tuera pas. La magie, la sorcellerie ne vous tuera pas. Le gris-gris ne vous tuera pas. Les puissances des ténèbres ne vous tueront pas. Vous allez passer tous vos jours jusqu'à la dernière minute de votre vie sur la terre. Lorsque vous serez prêt à quitter, vous quitterez. Le cancer ne viendra pas vous tuer. Que viens. Allons. Non. Cancer, tu n'es pas un messager de Dieu pour moi. Tu ne m'apporteras pas. Je dis, ils ne vont pas t'apporter d'ici. La maladie ne viendra pas t'attraper. Allons, quittons. Non. Non, tu es un ange, tu es un ange de Satan. Un ange de Dieu viendra me prendre. Je vous ai dit qu'un ange de Dieu viendra vous prendre. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il est s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait. Nous allons nous en aller. Frères, sœurs, nous allons nous en aller. Nous sommes assis tout un long moment. Maintenant, nous allons sortir. Nous sommes très là dans le passé. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous en aller. Et comme vous sortez, les promesses de Dieu, la commission, tout cela sera accompli dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et il s'en allait. Prêcher partout. Ils prêchent. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Où est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont prêché partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que quelqu'un crie Amen. Cela va se passer. Il a donné la commission et l'a soutenue par des promesses dynamiques. Deuxième point maintenant, la consécration. Pour une double portion. La consécration pour une double portion. Nous retournons à 1 Roi 19,
1 roi 19, la consécration de cet Élisée pour la double portion n'était pas seulement pour le dernier jour où Élie quittait Damas. Mais regardez, il a reçu l'appel. Regardez quand il a reçu l'appel. Et je vois maintenant 1 roi 19. Je lis verset 19. 1 roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée. Le Seigneur vous a trouvé. Et il vous a déjà trouvé cette nuit. Fils de Shaphat qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Et il jeta sur lui quoi? Sur lui son manteau. Attendez un peu. Ce manteau qui est descendu sur lui, qu'il a touché le premier jour qu'il a rencontré Élie. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque Élie était monté, c'est le même manteau qui était tombé sur lui. Une indication que quoi que ta consécration soit 10 ans passés, 20 ans passés, Dieu n'a pas oublié votre consécration. Toute consécration que vous avez faite, les choses que vous avez abandonnées, que ce soit dans le passé, maintenant, en ce temps-ci, à ce jour de la double portion, le Seigneur va tout assembler, va tout rassembler, va tout amasser, il va accumuler toutes les consécrations jusqu'à maintenant. Et puis, votre miracle vous sera donné. Et vous, alors, vous serez une main qui touchera les d'autres mains. Et c'est dit, Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, il a senti le pouvoir, la puissance. Élie n'a rien dit, mais Élisée a senti la prophétie. Élie, lorsqu'il a jeté le manteau, oui, Élisée savait que sa vie sera différente depuis le jour-là. Comme le manteau viendra sur vous aujourd'hui, votre vie deviendra différente à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Votre nuit sera différente. Vos jours différents. Votre courage sera différent. Votre aspiration et ambition seront différentes. Il y a quelque chose déjà qui se lève en toi pour te faire voir l'horizon et les grandes choses que Dieu a pour toi. Les choses deviendront différentes pour toi au nom de Jésus-Christ. Les équitants serbes courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie n'a rien dit. Élie ne lui a pas dit suis-moi. Mais ce qui n'a pas été dit, vous le comprendrez. Ce qui n'a pas été déclaré, vous allez l'entendre. Ce qui n'est pas écrit, vous allez le lire. Et ce qui est dans la pensée de Dieu, ce qui est dans la pensée de l'Esprit, que personne même ne vous l'a pas mais déclaré, vous allez vous lever, prendre le bâton et courir. Vous allez courir. Et la puissance du Seigneur ne jouera pas dans votre vie. Et Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva. Est-ce qu'il était chez lui? Mais puis il se leva. Non, il se leva. Il n'a pas argumenté. Puis il se leva. Il n'a pas posé de questions. Puis il se leva. Il n'a pas pensé à ce qui lui arrivera dans le futur. Puis il se leva. Votre temps est venu pour vous de vous lever. Le temps de douter, le temps d'hésiter, le temps de poser des questions, le temps de se demander, le temps d'aller de gauche à droite. Ce temps-là a pris fin cette nuit. Et puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est là que sa consécration a commencé. Votre consécration a commencé. Peut-être des semaines passées, des mois passés, des années passées, cela continue. Cela va pas venir au point culminant cette nuit. Et le Seigneur saura que ta coupe, pas la coupe d'indignation, mais ta coupe de consécration
consécration cette nuit est au comble et vous serez prêt à partir. Je serai prêt à partir, à aller à un sacrifice plus grand et un service plus grand. Et le Seigneur le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième roi, chapitre 2, verset 1 et 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, demeure ici, attends ici. Tu peux te reposer ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, un engagement ici. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Il y a des gens, lorsque Élie, et qui est plus avancé en âge qu'Élisée, et Élie n'était pas fatigué, il allait de Tussi à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain. Ce que jeune homme, regrette ici, tu peux prendre une pause, tu peux te reposer un peu, tu peux être en congé. Et puis l'homme a dit, non, jamais. Non, tu n'es pas fatigué. Je ne suis pas fatigué non plus. Est-ce que quelqu'un là-bas, est-ce que tu es fatigué? Y a-t-il une personne fatiguée là-bas? Le Seigneur va essuyer toute lassitude au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Et Élisée est un homme. Voyons la consécration d'un homme. Mais voyons maintenant la consécration d'une femme. Et le cas de Ruth, la même consécration qu'Élisée avait et Ruth en avait. Donc, vous ne pouvez pas dire que je suis sœur. Oui, la consécration est pour vous. Je suis une jeune sœur, mais la consécration est à vous. Je suis de cette âge. Oui, vous pouvez vous consacrer et le Seigneur honorera votre consécration. Le Seigneur va bénir votre consécration. Vous allez faire quelque chose du jamais imaginé dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ruth, chapitre 1, verset 16. Luc 1, 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit différent de la consécration d'Élisée? Votre consécration ne sera pas différente. 17, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Le Seigneur nous appelle à une consécration élevée, à une consécration plus étendue, à une consécration plus profonde. Il nous appelle et veut faire qu'on dise, qu'on consacre notre bouche, comme Élisée a dit à Élie, comme Ruth a dit à Naomi, que non, je ne vais pas retourner, non, je ne vais pas rester ici, non, je ne vais pas t'abandonner, là où tu vas jurer, là où tu restes, je vais y rester, là où tu te loges, je serai là-bas, ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Et c'est dit que l'Éternel me teste dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. On retourne à deux rois. Deuxième roi, chapitre 2, verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête des racontards, des conteurs d'histoire. Et ces gens, ils pourraient aussi faire la même consécration que les aimés. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ne vont pas me déranger. Ils ne vont pas m'empêcher. Ils ne vont pas m'arrêter. Ils ne vont pas m'arrêter. Je vais vous dire cette nuit que vous serez inarrêtable. Frère, je te dis que tu seras invincible. Sœur, je te dis que tu seras imparable. Et un nouveau voyage commence. Un nouveau progrès commence. Une nouvelle prophétie est sur le point de s'accomplir dans ta vie.
ce qui vous a empêché dans le passé, maintenant je suis inarrêtable. Maintenant je suis imparable. Et non seulement cela, maintenant vous serez imbattable, invincible. Quel que soit ce qui était contre la BAC de votre vie, de votre ministère, alors vous êtes maintenant invincible au nom de Jésus-Christ. Tous ces gens qui viennent de dire que, est-ce que tu sais que l'Éternel ôtera, enlèvera ton maître de dessus, au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Voyez cela, la déclaration est encore répétée, la phrase est encore répétée, que tu as assez fait, tu t'es beaucoup consacré, tu as beaucoup donné, reste ici, prends le repos ici, une pause ici. Et Élisée a dit, non, je ne suis pas un tel type, moi je ne suis pas une telle personne, j'avance, moi j'avance, je vais servir le Seigneur. Chaque forme d'épuisement, puisse le Seigneur l'ôter de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas seulement Élisée seul. Je vais maintenant à 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, la consécration ne doit pas rester avec lui. Il y a déjà aussi conclure sur le message de rester ici, de prendre la pause ici, de dormir ici, de quitter ici. Ils ont dit non, non, jamais, jamais j'avance. Quelqu'un là-bas avance cette nuit. Je dis quelqu'un là-bas avance cette nuit. Vous avez un esprit invincible et vous avez un cœur qui dit j'avance, j'avance, j'avance. Cet esprit de fatigue, puisse le Seigneur l'ôter de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel, chapitre 15, verset 19. 2 Samuel 15, 19. Le roi dit à Ittaï de Gath, pourquoi viendras-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi. Et reste avec le roi. Car tu es étranger. Et même, tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec Moussa et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Ittaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant. Et mon Seigneur, le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Voici cela. Le même cœur avec et le même cœur que celui d'Élisée, le même engagement qu'Élisée, la même consécration qu'Élisée, c'est le même cœur que vous avez cette nuit. C'est le même cœur que vous avez cette nuit. Et David dit alors à Ittaï, va, passe. Et Ittaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Tous ont passé. Y a-t-il quelqu'un qui passe cette nuit? Y a-t-il quelqu'un qui détermine d'avancer? Et il n'y a rien qui vous fera, qui vous fasse retourner au nom de Jésus-Christ. Et on retourne à 2 Rois, chapitre 2, verset 5. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Voici des gens qui ont la révélation, mais ils n'ont pas l'inspiration. Ils n'avaient pas la détermination. Ils n'ont pas compris que si Élisée devait quitter aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez avoir de lui? Qu'est-ce que vous allez recevoir de lui? Alors ils sont venus dire que, est-ce que tu sais que l'Éternel enlèvera ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, voilà cela encore, reste ici, je te prie.
Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivira tous deux leur chemin. Nous avançons. Je dis, nous avançons. Si je veux dire que tu peux rester, parce que regardez la moutière dans la voie, tu peux rester à la maison. Vas-tu rester à la maison? Tu peux prendre un peu de repos. Vas-tu prendre du repos? Voici un jour spécial. Voici le jour de la double onction, de la double puissance, de la double portion. Vous allez avancer jusqu'à ce que vous ayez votre portion au nom de Jésus-Christ. Voyons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6. Verset 67. Jean 6, 67. Jésus donc dit aux douze, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Le Seigneur vous pose la question, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc nous avançons. Je dis, nous avançons. Nous devons voir la fin de cette histoire. Nous devons voir la fin de cet événement. Cette double portion, nous allons voir quand cela est descendu. Je ne vais pas aller, tu n'iras pas aux toilettes. Tu ne courras pas aller ailleurs. Cette nuit, comme la double portion vient, cela va te raconter là-bas. Je dis, la double portion va te raconter là-bas. Nous revenons maintenant à 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Je lis verset 7. 2 Rois 2, verset 7. 50 hommes, dont les filles des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau. C'est le manteau, ça. C'est le manteau. Et Élisée. Et alors, Élisée a vu ce manteau. C'est le manteau qu'il a touché le premier jour. Et il a revu. Et c'est le manteau que Dieu, il savait que Dieu va ôter, enlever son maître. Et ce manteau-là ne sera pas exigé au ciel. Que j'ai besoin de ce manteau. J'ai besoin de ce manteau. Quelqu'un là-bas, j'ai besoin de ce manteau. Personne ne l'ôtera. De loin, cela descendra sur moi aujourd'hui. Cela descendra sur vous aujourd'hui. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Ils ont traversé. Je dis, ils ont passé, ils ont traversé. Vous allez venir à l'autre bord. Vous allez aller à l'autre côté. Vous allez passer à l'autre bord. Tout ce qui ne peut pas me déranger ne vous dérangera pas. Tout ce qui ne va pas m'arrêter ne vous arrêtera pas. Tout ce qui ne peut pas me ralentir ne vous ralentira pas. Vous et moi, nous allons traverser, aller à l'autre bord. Vous et moi, nous passons à l'autre bord. Si je suis fort, tu es fort. Si je suis bien portant, vous êtes bien portant. Si je suis heureux, vous êtes heureux. Si je suis couronné de succès, vous serez couronné de succès. Vous devez avoir le même pouvoir. Vous devez avoir le même esprit. Vous devez avoir la même victoire. Je vous transfère la victoire. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. La force dans votre vie. La puissance dans votre vie, la guérison dans votre vie, la délivrance dans votre vie, la révélation dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, la connexion. La connexion avec la puissance divine. La connexion avec la puissance divine. La connexion est venue. Je dis, la connexion est arrivée. Voyons ceci. Deuxième roi chapitre 2. Deuxième roi chapitre 2. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée,
demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Que ta prière soit empreinte de courage. Que votre prière soit empreinte de plénitude. Que votre prière soit compréhensible. Que votre prière exige ce que vous n'avez jamais fait, ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous n'avez jamais vu faire par quelqu'un d'autre. Ouvre votre bouche pleinement et va la remplir cette nuit. Et dit, qu'il y a sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Il a dit, demandez. Voyons, Jérémie 29, je vous lis à partir du verset 13. Jérémie 29, je lis verset 13. Ceci c'est pour vous cette nuit. Jérémie 29, nous lisons le verset 13. C'est dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous allez le trouver cette nuit. Vous allez trouver la puissance cette nuit. Vous allez trouver la double portion cette nuit. Vous me trouverez et vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que Élisée a fait de tout son cœur, avec toute consécration, avec toute concentration. Il a cherché ce qu'il a voulu et l'a trouvé. Cette nuit, vous le trouverez. Matthieu, chapitre 6, 33. Matthieu, chapitre 6, 33, qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses vous seront données par-dessus cette nuit. La double portion pour vous, la double promesse pour vous, la double puissance pour vous, la double provision pour vous, la double prophétie pour vous, et le double héritage pour vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. La puissance numéro 1, la puissance de la filiation. Jean chapitre 1. Verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Qui dit ici que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La puissance de la filiation. À vous de la demander s'il a de douche en vous, s'il a un tremblement en vous, cette nuit. Le Seigneur a donné ceci à tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, la puissance aussi pour le salut. La puissance pour le salut. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 4. Romains 1, verset 4. Romains 1, verset 4. Et déclaré fille de Dieu avec la puissance, selon l'esprit de sainteté. Et avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Il y a la puissance pour la sanctification. La puissance pour la sainteté. Il y a la puissance pour le salut. Il y a la puissance pour la sanctification. Disponible cette nuit. Je dis disponible cette nuit. Que votre amen soit comme celui de Élisée. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le salut est déjà est réglé. La sanctification est réglée. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous êtes sauvé un moment et vous êtes sanctifié, rendu saint un moment. Et maintenant, le baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, la puissance dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit n'est pas là. Dieu merci, vous êtes là cette nuit. Cette nuit, c'est pour vous, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dise Amen? Colossiens, chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, 13,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Elles ne vont plus vous déranger. Elle ne va pas vous déranger le jour. Au marché, vous ne serez pas dérangé. Elle ne va pas vous déranger dans votre famille. Elle ne va pas vous déranger dans le rêve. Il y a la puissance cette nuit. Et cette puissance sera permanente en vous. Partout où vous vous trouvez, lorsque les ténèbres vous voient, elles feront. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés. Nous sommes transportés. Je suis transporté. Je suis transporté dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Disponible cette nuit. Je dis, c'est disponible cette nuit. Deuxième Pierre, chapitre 1. Deuxième Pierre, chapitre 1. Deuxième Pierre 1. 3. Comme sa divine puissance. Voici la puissance qui transforme, qui guérit. La puissance à laquelle le diable ne peut résister. C'est la puissance irrésistible. Comme sa divine puissance nous a donné combien de choses vous pouvez avoir cette nuit. Tout. Combien de choses vous pouvez posséder cette nuit. Combien de miracles vous pouvez rentrer à la maison avec cette nuit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. La nature satanique est ôtée. La nature humaine est ôtée. La nature de nos ancêtres est ôtée. La nature de nos arrières ancêtres est ôtée. Votre nature adamique personnelle est ôtée au nom de Jésus-Christ, participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Cela se passe cette nuit. Cela se passe aujourd'hui. Luc chapitre 10 verset 19. Je vais rentrer à la maison avec quelque chose. Je ne serai plus le même. Quelque chose viendra dans mon esprit. Cette nuit, je le sens. Cette nuit, vous le verrez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. La faiblesse sort. Toute infirmité, sortez. La peur, sort de là. Tout doute par-ci, par-là, sort de là au nom de Jésus-Christ. Toute vacillation. Et je suis ici, je ne suis pas là, je veux, mais je ne veux pas, je doute, et je crains, tout est parti cette nuit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, chacun d'eux, tous seront sous vos pieds, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, que quelqu'un là-bas crie, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra me nuire. Voilà notre homme. Il y a Élisée qui nous attend. Que vous ne pouvez pas voir comment j'ai obtenu ça pour que toi aussi tu l'aies. Élisée l'a reçu. Je dis, Élisée l'a reçu. Moi aussi, je l'ai reçu. Deuxième roi, chapitre 2, verset 11. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Élisée monta au ciel dans un tourbillon.
Élisée, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait. Est-ce que vous allez le voir? Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'est pour vous. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui se partagèrent ça et là, et Élisa et Élisée passa. Ce fleuve sera divisé pour vous. Ce fleuve sera divisé pour vous. Vous allez passer. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, ils verront la puissance sur vous. Ils verront l'onction sur vous. Dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui, devant vous. Sœur, je dis devant toi. Frère, je dis devant toi. Maintenant, on va aux Éphésiens. Voici votre verset cette nuit. Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. C'est votre verset. Il faut dire, c'est mon verset. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. La double portion sur votre vie. Amen. La double onction sur votre vie. Amen. Le double miracle sur votre vie cette nuit. Amen. Tout ce que vous demandez cette nuit, au-delà de tout ce que vous pouvez demander, au-delà de ce que vous pouvez penser, par la puissance qui agit en vous, est fait cette nuit. C'est l'heure de vous lever pour Dieu. Seigneur, Seigneur, c'est ma nuit. Seigneur, c'est ma nuit. Seigneur, c'est ma nuit. C'est la nuit de double portion. C'est la nuit de double portion. C'est la nuit de double portion. Le salut est disponible. La liberté est disponible. Le pardon est disponible. La rédemption est disponible. La délivrance est disponible. La guérison est disponible. La domination est disponible. La sanctification est disponible. La santé est disponible. La prospérité est disponible. La puissance est disponible cette nuit. Tout besoin sera subvenu. Toute prière sera exaucée. Toute requête sera exaucée. Vous pouvez demander au Seigneur cette nuit. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Quelque chose est que il n'y a rien qui soit grand cette nuit. Il n'y a rien qui soit trop puissant cette nuit. Il n'y a rien qui soit trop terrible. Cela se passe cette nuit. Cela se passe cette nuit. Cela va se passer. Cela va se passer. Parlez au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi tu es ici. Oui, c'est à cause de toi que nous avons tenu le programme cette nuit. C'est à cause de toi que le programme, que le message est prêché. C'est à cause de toi que la prophétie est venue. C'est ta prophétie. Voici ta portion. C'est ta promesse. Cela vient sur toi cette nuit. Tout ce que tu demandes, il n'y a rien qui soit soustrait de cela. Tout ce que tu demandes, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit ôté de ce que tu demandes. La victoire sur le péché est disponible cette nuit. La justice est disponible cette nuit. La puissance de la filiation est disponible cette nuit. La puissance pour la sainteté est disponible cette nuit.
Ce manteau viendra sur votre vie. L'homme de Dieu en a dit et cela s'est passé. Il a fait la consécration. Il a fait la connexion. Et cela s'est produit. Par le Seigneur cette nuit. Toute la consécration du passé que vous avez faite, ramenez-la. Et ramenez tout et mettez tout sur l'autel. Renouvelez votre consécration devant le Seigneur. Je ne vais pas rentrer à la maison. Je ne vais pas me détourner. Je ne vais pas prendre la pause à mi-chemin. Je ne vais pas arrêter mon voyage à mi-chemin. Tout ce que j'ai offert au Seigneur, je le ramène à l'autel. Brisez, détruisez les ponts derrière vous. Faut pas faire une marche en arrière. Pas d'arrière voyage. Pas de demi-tour. Pas de demi-tour. Soumettez tout à genoux. Abandonnez tout à Jésus. De toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre vie, de tout votre temps, de tout votre trésor. Donnez tout à Jésus cette nuit. Ce que vous aurez en échange est beaucoup plus grand. Et faites-le gaiement, faites-le joyeusement, faites-le sans réserve. Que le fait de suivre le Seigneur soit sans obstacle. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Pas de fatigue. Pas de faiblesse. Pas de découragement. Pas le fait de regarder le côté de mirage. Le côté éblouissant. Pas de regarder le monde. Pas de regarder en arrière, mais j'abandonne tout à Jésus. Je lui donne ma vie, tout ce que j'ai, je lui présente. J'amène tout à Jésus cette nuit. Il a tout donné pour moi et je lui donne tout. Une voix qui dit, reste ici. Non, je monte. Regarde en arrière. Non, je regarde devant moi. Écoute-toi. Tombe. Crains. Sois découragé. Sois faible. Non. Pas encore. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour vous cette nuit. Dieu n'échouera pas. Dieu ne peut jamais échouer. Le Seigneur vous exauce. Voici votre occasion. Voici votre opportunité. Le Seigneur exauce la prière. C'est votre chance. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera pour vous. Il ne peut pas échouer, il ne peut jouer, il ne jouera pas, il ne ment pas, il est un Dieu fidèle. Y a-t-il de faiblesse dans le passé? Confessez-le et confessez-la et abandonnez-la. Y a-t-il quelque chose que vous avez ôté de l'autel? Ramenez tout au Seigneur cette nuit. Nous avançons.
Nous avançons. Demandez la double victoire. Pas seulement une victoire minimale sur le péché. Une victoire superficielle sur le péché. Une grande victoire. Une profonde victoire. Une victoire étendue et élargie. Une victoire élevée. Une double victoire. Une ample victoire sur le péché. Pas une sanctification superficielle, mais profonde, mais large, longue, élevée. Une sanctification bien étendue. La sainteté totale, au-dedans et au-dehors. Double. La puissance du Saint-Esprit, l'immersion dans cette puissance, le revêtement de cette puissance, la saturation avec cette puissance, que chaque partie de votre âme, de votre corps, il y a la saturation de l'Esprit là-bas, l'Esprit de puissance, une double onction. Qui brise toujours. Demandez-lui. Il est un Dieu fidèle. Demandez-lui. Il va le faire pour vous. Celui qui croit en moi. Il fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grand. Parce que je vais au Père. Qu'il ait la confirmation dans votre vie cette nuit. Que cela se réalise en vous cette nuit. Qu'il ait une démonstration de cela en vous cette nuit. Croyez, les signes, les miracles sont pour les croyants. Les prodiges appartiennent aux croyants. Les miracles sont pour les croyants. Votre portion, personne ne vous l'ôtera. Parle au Seigneur. Le Seigneur ne vous décevra cette nuit. Il a promis que vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Il a promis qu'il fera pour vous ce que vous n'avez jamais fait faire. Il vous a promis la puissance. Au-delà de toute puissance que vous pourriez expérimenter dans votre vie.
ne laissez aucune pierre non remuée. Que toute chose se déplace. Que tout ce qu'il a promis vous soit accordé. Voici votre opportunité. Voici votre chance, votre occasion de demander et recevoir. Que le Seigneur le confirme dans votre esprit. Qu'il le confirme dans votre cœur. Avec assurance. Élisée l'a obtenu, il a reçu, il n'avait pas de doute. Il avait une évidence immédiate, une évidence instantanée. Même ceux qui le regardaient pouvaient dire que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Quelle est la confirmation dans votre cœur? La connaissance de l'esprit que vous avez, que c'est ainsi, sans aucune ombre de doute. Tenez-vous sur les promesses de Dieu. Ces promesses n'échoueront pas, ne feront pas défaut. Recevez l'accomplissement dans votre vie. Ces promesses ne peuvent jamais faillir. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé.
Je dis, le Seigneur vous a exaucé. Vous l'avez reçu. Je dis, vous l'avez reçu. Il faut le dire, je l'ai reçu. Il faut le dire, je l'ai reçu. Et que le ciel le confirme sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez dit en prière a été confirmé depuis le ciel. Comme nous deux, nous accordons pour demander quelque chose, le Seigneur l'a déjà fait. Vos joues sont brisées. Votre vie spirituelle est maintenant renouvelée. La puissance dans chaque domaine de votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous allez sortir fort. Le puissant nom de Jésus fera des merveilles dans votre vie. Tout ce que le calvaire a acquis pour vous, vous appartient cette nuit. Ou la personne dont je parle là-bas, Père au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour la victoire cette nuit. Merci pour la délivrance cette nuit. Nous te remercions pour la guérison cette nuit. Nous te remercions pour la domination cette nuit. Nous te remercions pour la transformation cette nuit. Nous te remercions pour la sainteté cette nuit. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit cette nuit. Je demande, Seigneur, que tous tes enfants reçoivent la confirmation de la double portion sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Chaque promesse qu'ils ont réclamée, chaque puissance qu'ils ont reçue, je prie qu'il ait la manifestation dans toute ta vie. Seigneur, je prie que tu acceptes leur conception, leur confession, que tu acceptes leur consécration, que tu acceptes leur abandon total. Transforme chaque frère, chaque soeur ici cette nuit en une personne différente au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance réside en eux. Que ta puissance aille avec eux. Je prie qu'ils renversent, qu'ils abattent chaque puissance de l'ennemi. Et qu'ils aillent dans la puissance du Seigneur au nom de Jésus-Christ. La guérison pour tout le monde, à ma gauche, à ma droite, devant moi, sur les étages, partout où les gens m'entendent, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les yeux aveugles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les paralysés se lèvent et marchent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des maladies innées, que tu ôtes cela de au nom de Jésus-Christ. La puissance des serpents et des scorpions, des mauvais esprits, des puissances maléfiques, des oppressions démoniaques, que cela soit supprimé au nom de Jésus-Christ. Le courage, mets le courage sur ton peuple. Fortifie ton peuple. Enhardis ton peuple. Encourage ton peuple. Je prie que tout ce qui est négatif soit balayé de leur vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Les miracles dans toute vie. La manifestation dans toute vie. Qu'il ait la démonstration dans toute vie. Je prie, Seigneur, comme ton peuple rentre chez eux, qu'ils rentrent dans la joie du Seigneur. Qu'ils rentrent avec tous les ressources de toutes leurs prières au nom de Jésus-Christ. Pour tout le monde ici présent, la double portion. Pour tout le monde ici présent, qu'il ait la double puissance. Pour tout le monde ici cette nuit, qu'il ait la double révélation. Je prie, Seigneur, que tu résides puissamment et grandement dans la vie de tout le monde. À partir d'aujourd'hui, que tout le monde reconnaisse que celui qui est en eux est plus grand que toute chose, que celui qui est dans le monde. Comme ton peuple rentre chez eux, Seigneur, déblaye la voie pour eux. Je prie, Seigneur, que le succès, le boulot, la prospérité, les miracles, les enfants de miracle et la vie pour ceux qui sont auprès de la mort, que tout cela s'accomplisse dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Il vous a exaucé.
Je dis, il vous a exaucé. Je dis, il vous a exaucé la double portion dans votre vie.